N'oublie jamais que les cités sans y sont tard lorsque la nuit tombe. Et que les jeunes des quartiers n'ont jamais su peur de la peine. En profitant même d'elle. T'es hors la loi, n'ayant pas d'autre choix que de développer une vie parallèle. Business illicite, la survie invite. Comme persuadé de prendre le chemin de la réussite. Mais pour ça qui fait quoi, quelle chance nous a donné l'État. Ne cherchez pas intentionnel, était cet attentat. Laisser à l'abandon une partie des jeunes de la nation. Ne sera pour la France qu'une nouvelle amputation. Caca, la faute est faite, la fête est finie. Fini de rire, j'ai peur pour l'avenir. Mais tant que tu vas dire pour contredire mes dires. Je n'invente rien, contrairement à ce que tu peux lire. Pas de brodage dans mes textes, pas de romance. Car je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Quelle solution préconise-t-on? Mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais dans ce cas précis, si guérison il y a, n'oublie jamais que c'est à nos frères que seront les dégâts. Dans le noir à l'écart des lumières et des phares, éclairés par l'obscur clarté de l'espoir. Les enfants des cités ont perdu le contact, refusent de belle conscients qu'ils n'en sortiront pas intact. Doivent vivre libre, inspirer au bonheur. Se donner les moyens de sortir du tunnel pour voir la lueur et pouvoir tapisser de fleurs l'honneur de l'amour. Voilà ce qu'on reproche à mes proches à ce jour, sans pour autant essayer de comprendre le pourquoi du comment. Les préférences se baser sur des préjugés pour porter un jugement. Allah, dans le vent, non, décidément, un monde nous sépare alors. Foutez-moi le camp. C'est clair, je pense vous avez saisi la sentence. La France est accusée de non-assistance. Dans sa personne en danger, coupable crie les cités, mais l'État malgré ça vous fera payer les dégâts. Et comment au lieu, la cité a sa propre règle du jeu. Avec ses coups du sort et ses coups malheureux, on ne joue pas éternellement avec le feu. Sans se brûler, ne prends pas ça comme une moralité. J'essaie en vérité de te dire qu'un jour il faudra bouger pour ne pas rester prisonnier du béton. Et à plus forte raison, des portes des prisons. Non, je ne prends parti pour personne, je donne mon avis, ma philosophie. Prends ton genre et fais ta vie. Car le business doit être une étape pour changer de cas. Prends en conscience avant que le malheur ne te frappe. Ne t'attends pas de leur côté. A de la compassion, la machine judiciaire se jouera de ton sang comme on se joue d'un lion. Attention à la sanction, n'oublie pas qu'à leurs yeux tu n'es qu'un parasite pour la nation. Ton avenir est entre tes mains, je dis deux. Sache retirer à ton tes du jeu. Pour le 3, j'accuserai les lois et l'état de quoi de toujours nous faire payer les dégâts. Souvenez-vous que c'est...